Il y en a même qui le boivent depuis le matin. Toi, tu n'es pas élève de cette classe. Oui, m'en fous, moi, vous m'avez déjà rentré. Mais tu ne peux pas manquer, mon frère. J'entre dans une salle de classe, personne ne se lève. Apparemment, on a même niveau d'études à cette table. D'ailleurs, vous pouvez le reste de la classe. Ça en brousse. Monsieur, mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors, ma chère, monsieur. Ça aussi, ma petite frère. En plus, ça, elle m'a tenu. Je suis trop petit pour vous. Tu sais, vous êtes tu. Je t'en prie. Regardez mon ami. On vous envoie à l'école. Vous voyez ce qu'il vient faire. Il menace un professeur. D'ailleurs, vous avez donné son nom. Dis-moi, vous êtes des camarades. Mais le type, il me demande de quoi. Monsieur, il marche avec le pied, mon frère. Hein? Monsieur, depuis le matin, on n'a pas fait cours. Donc, ils sont rentrés en pensant que vous n'alliez pas venir aujourd'hui. Mais vous avez quoi pour moi à venir? Qui vous a dit qu'il ne veut pas venir? Monsieur, vous donnez vous. Et qu'est-ce que c'est quoi vu? Les fêtes ont fini. Vous m'avez laissé cette fois-là sur vos têtes. Quand vos camarades ont décidé de rentrer avant mon arrivée, je vais saisir cette occasion pour vous évaluer. Un premier jour. Mais débarrassez-vous de vos effets. J'ai dit débarrassez-vous de vos effets. Vous avez deux effets, il y a quoi? Allez, deux, c'est quoi? C'est la première fois que je viens. Première question. Vous êtes vraiment vous débarrasser de vos effets. Quelles sont les procédures pour partitionner un ordinateur? Quelles sont les procédures pour partitionner un ordinateur? Quelles sont les procédures pour partitionner un ordinateur? Deuxième question. Qu'est-ce qu'un serveur? Qu'est-ce qu'un serveur? Qu'est-ce qu'un serveur? Mais je ne comprends pas beaucoup. Je suis trop méchant devant vous. Vous n'avez pas besoin d'une éducation, hein? Mais monsieur, est-ce que vous avez vu ici là? Pas les élèves qui ne copient pas. Vous n'avez pas besoin. Je ne copie pas. Mais, monsieur, vous m'intriguez dans un coup. Monsieur, mettez-vous dehors. Monsieur, mettez-vous dehors. Je ne sors pas, monsieur. Vous voyez vos camarades? Mais où va le monde? En terminal? Si je compte ici pour vous, pour vous enseigner, vous croyez pas que vous êtes tu? Mais monsieur, vous êtes au maire dehors. Mais je vois rien. Non. Monsieur, ça vous amuse. Ça vous amuse, monsieur. Monsieur, peut-être 10 mots depuis qu'on a composé le président. Il y a la guerre dans la tête, c'est quoi? Il veut me voir, mais monsieur, vous êtes de vous-même, rien. Mais vous pensez que vous pouvez me faire le compas? Oh là là, vous me prenez pour qui là? Vous pouvez me faire le compas? Donc moi je ne comprends pas vos élèves. Figurez-vous que je viens en classe. D'abord je ne trouve pas tous les élèves en classe. Pas qu'ils sont rentrés. Où sont tous les élèves de cette salle? Ils sont rentrés. Et où est le chef de classe? Je suis là, monsieur. Venez. Et quand je demande de sortir des groupes composés, il me menace.
Il y a quelque chose dans cette salle et vous ne nous faites pas signer. Non, monsieur, il n'y a rien. On faisait juste simplement pour le professeur s'est énervé. Ah, putain! Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais monsieur, il est opposé. Il est venu me menacer. Il est venu sortir des armes blanches pour me menacer. Elle est complice, monsieur. Elle est sortie de ma main. Mais venez pas de vous. Comment ça? Venez pas de vous, monsieur le professeur. Quelle est cette histoire-là? Allez, vous tout d'abord que ça, monsieur. Dépêchez-vous! C'est quoi ça? C'est le monsieur, mais elle m'a envoyé des factures. Posez ça, mon juge, posez ça. Monsieur, posez ça. Et même celui-là, c'est pas un autre point. Monsieur, c'est pas ça. Monsieur. Vous amenez les armes blanches en place. Et comment ils vont partir de vous? Fouillez votre sac, monsieur. Vous voyez ses cheveux, monsieur? C'est quel cheveux, lui, ça? Vous voyez les cheveux? En milieu scolaire, est-ce que c'est permis? Monsieur, fouillez-moi tout ce sac. Dépêchez-vous! Menace? Tu es master, monsieur professeur. Lui, il est interminable. Parce qu'il me voit petit, il me menace. Vous avez les habits dans votre sac. Faut que tu sois là. Il est là, il dit qu'il avait les habits. Il a pris les habits ici. Il a les écouteurs, les chargeurs. Il a pris les sacs. Vous avez le même. Mais c'est pas le même cahier là. Fouillez tout ça. Il me sert à vendre même la bombe ici qui connaît. Mais s'il fondrait, je vais le vendre trop. Regardez, c'est pas ça. Ça me blague. Sortez. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Hé, le téléphone. Les agresseurs, tous les élèves. Merde. Ça, c'est pas possible. Dans mon établissement, ça, c'est pas possible. Monsieur, donne-moi votre sang. Monsieur, pardon, monsieur. Monsieur, pardon. Suivez mon bureau. Monsieur, pardon, monsieur. Monsieur, pardon. Allô, monsieur le commissaire. Vous avez des éléments sur place avant. Monsieur, vous êtes complice.